Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour la suite de notre aventure dans le monde du biathlon. Et aujourd'hui, on va pas disputer de Coupe du Monde, mais bien le Championnat du Monde. Petit aparté dans notre saison, où on est plutôt bien 25e avec 103 points aujourd'hui. Pas de points, uniquement des médailles à aller chercher. Et on l'espère en tout cas, des médailles, pourquoi pas de bronze, mais pourquoi pas d'argent ou même d'or. Ça sera quand même très compliqué, on le rappelle, on n'a toujours pas pris une seule médaille depuis qu'on est dans le groupe des meilleurs du monde. Alors l'année dernière, on était redescendu et on avait disputé les championnats du monde dans le groupe 2. Là, on est bien dans le groupe 1 avec les meilleurs. Et on va commencer avec le sprint en col de snow. Gisèle, comment ça va? Eh ben écoute, elle a l'air d'aller très très bien. Col de snow. On va mettre les Hamilton et vos 3. Gisèle, on est d'accord, Hamilton et vos 3. Très très bien, Hamilton et vos 3. On va essayer de checker ça. Et on est parti. Écoute, j'ai pas beaucoup d'ambition pour aujourd'hui. Vraiment, c'est plaisir et détente. On va probablement faire le sprint. Et uniquement l'individuel. La mass start, on sera pas convié. Les relais, on sera pas convié. La poursuite, il est très peu probable qu'on s'en qualifie. Mais sans pression. Parfois, dans la vie, on peut être amené à faire de grandes choses. Donc on va voir, on va y aller tranquillette. On va faire notre course. En plus, je crois que République Tchèque, on n'a jamais fait. Donc on va découvrir un petit peu cette piste. C'est parti. Et voir un petit peu ce que ça donne. Avec une petite descente, on va pas se mettre en position tout juste. Et c'est parti. Let's go. Première petite montée et un parcours. Un parcours qu'on n'a pas fait, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'a pas fait ce parcours-là. Allez, on a une belle descente ici. Et on va y aller, on met du coup de bâton. Ah, la montée a l'air terrible. Non mais attends, mais c'est monté ou c'est quoi là? Non mais c'est une tyrolienne ou bien non, là, c'est fou là, il faut un tire-fesse pour monter cette pente là. Donne-moi ça, comment c'est dur. Heureusement, encore une fois, ça compte pas pour les points aujourd'hui. On finira demain la saison numéro 4 avec une saison, ma foi, qu'on a bien gérée. On a très très bien géré, je trouve, puisque on va probablement se maintenir déjà, mais peut-être même terminer à la meilleure position. Qu'on n'a jamais atteint en Coupe du Monde. Donc très très heureux. Et il fait moins de 10 degrés. On va arriver à combien de temps ici face à Smolski? 3 secondes 9. On est 29ème. Ah, il y en a qui sont derrière nous. On a perdu 3 secondes 9. C'est ok si on arrive à faire des tirs assez rapides. On a montré qu'on pouvait le faire. On peut peut-être se qualifier pour la poursuite. Ça serait ma foi sympathique. Et encore une fois, on va essayer de... Allez, pourquoi pas jouer les troubles faites dans ce sprint et peut-être se qualifier pour la poursuite. On y est, on arrive avec 5 secondes 5 de retard. Il va falloir tirer vite, mais tirer bien. C'est toujours la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup de tirer vite ou est-ce que tirer bien? C'est la question existentielle. On va essayer de faire les deux. Eh ben, on n'en a fait aucun. Eh ben, on n'en a fait aucun. Nickel, vraiment exceptionnel. 3 tours de centrifugeuse et on n'en parle plus. Donc bah déjà, ça va aller très vite. Hein. Oh punaise, qu'est-ce que j'ai été nul. Mais comment j'ai pu rater ça? Comment? Mais attends. Oh là là, l'enfer. C'est vraiment un enfer, hein, ce truc. Oh là 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 là. La force, la force. Équilibrons la force. Non mais même les autres, ils y arrivent pas. C'est dingue. Non mais regarde-moi ça, regarde-moi ça, on est au ralenti, on a perdu combien là? 40 secondes au moins. Oh là 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 là, bon, on va terminer dernier non? Proprement, bah on est dernier. Et écoute, il y a Alexander Porsniv, il a fait 4 fautes et il est derrière nous. Donc il y a encore un monde où on termine pas dernier. Et ça c'est magnifique. On va utiliser un petit peu de sprint ici, on commence le deuxième tour du 3 tours du sprint. Non, je pense que c'est mort. Hein. Par contre, faire l'individuel là, ça veut dire faire 5 tours. Sur ce circuit horrible. Non mais attends, on n'avancera pas. C'est-à-dire qu'en haut de la montée, comment on va faire? Ah, j'ai cadenassé un tiers de l'endu sur le premier tour. Oh, ah, va falloir simplement pousser sur les skis et sur les bâtons quoi. Va falloir rester tranquille. Alors que personne fait des fautes, vous le voyez ici. Donc ça c'est nickel hein, pour nous mettre vraiment vraiment à la dernière place. Allez, on va y aller. Ah, Daleux en fait deux, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça nous fait du bien de voir certains nuls aussi. Mais non, mais je pense que c'est technique. Faut le dire aussi, on réfléchit en termes d'expérience. Demain, il y a la dernière étape. Et voilà, on peut peut-être se reposer. On va simplement se reposer, faut le voir comme ça. Allez, on y va en position touchous. Et pour l'instant, on est bon dernier. On est bon dernier. Allez, 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 allez. 3 erreurs. Ok, on va se remettre sur les skis. En plus, on arrive avec un rythme cardiaque très très faible. Je comprends pas comment on s'est littéralement pris... Autant les pieds dans le tapis. Alors j'allais dire plutôt les skis dans la poudreuse. Mais
On est parti. Hartweg qui nous fait un 3 sur 3, 4 sur 4, 5 sur 5. Et Fak, Jakob Fak. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Jakob Fak? Allez, on y va. Ouais, c'est bien tiré et rapidement aussi, on s'est mis en position. Pas mal, pas mal, pas mal. On y va. Allez, on y va. Dommage d'avoir fait cette erreur. On est 32e. Ah, c'est sûr que les 3 tours de Pena nous ont fait très mal. Ah, on aurait probablement pu. Il y a 2 erreurs pour les 21e. On aurait probablement pu, en faisant 0 erreur, se qualifier pour la poursuite. On se repose. Les gars, on se repose, c'est technique. Allez, on y va. Et on remonte sur les skis. On reprend ici son souffle. Hop, on y retourne. On reprend son souffle, on y retourne. Ah, une vitesse aussi, lui. Alors que Jakob Fak, pourtant, c'est pas le meilleur des biathlètes de l'histoire. Hein. Enfin, pour le moment, hein, mais c'est vrai qu'il est pas non plus exceptionnel. Allez, on va essayer de prendre l'intérieur. Voilà, vraiment, passer un très très bon relais. Voilà, on est bien. Non, mais sur les prises de trage, on est bon. Ça permet de faire quand même beaucoup de bien. On va le coincer. Il a été coincé. Ah ouais, Jakob. Ah ouais, non mais je le dis, il sera coincé. Allez, on se met en position tout chousse. Et on va en terminer du sprint. Allez. La grande descente. Ouais. En plus, le parcours en fait n'est pas si compliqué que ça. Regarde, j'ai même pas utilisé tout le sprint. Hop là, on va pouvoir l'utiliser ici tranquillette. Allez. On arrive au bout. Et on termine 31e, 32e, 34e, 37e. Ouais, on termine quasiment dernier. 38e. Pas de poursuite. Du coup, pas de poursuite. On le rappelle, c'est les 21 premiers du sprint qui qualifient pour la poursuite. Donc on la passe tranquillette. L'individuel. Ah, Very warm snow. Hamilton à team 1. Hamilton à team 1. Ou est-ce que... Mais tu vois, pour moi, quand il neige, ça va se réchauffer. Donc on va être plus vers les 10 degrés. Donc Hamilton à team 1, Gisèle. Hein, c'est ça? Très bien, Hamilton à team 1. Entre plus 10 et plus 6 sur la nouvelle neige. Un bonus magnifique. Et il fait 7 degrés. Il fait 7 degrés. On est bon. C'est parti l'individuel, 5 tours. Mais on le sait. Voilà, là, ça c'est notre spécialité. Faut être bon au tir. Bon, on a été nul à chier, c'est vrai, la première fois. Mais après, là, on n'a pas fait d'erreur au deuxième tir. Donc, écoute, on va voir ce que ça va donner. On y va, on va se mettre en position tout chou. C'est l'objectif aujourd'hui, ne pas faire d'erreur au tir pour se qualifier peut-être pour une... Enfin, se qualifier, pour prendre peut-être une magnifique médaille. Ça serait en tout cas exceptionnel. On remet un petit coup de bâton. Alors, on va vraiment pas beaucoup pousser. Hein. On va pousser à peine. Alors ouais, je sais probablement qu'on va perdre beaucoup de temps sur les temps de passage. Mais je peux pas à 5 tours, t'imagines? 5 tours, on va pas pousser. Hein. Voilà, on y va. Et 8 degrés, donc ça se réchauffe. La théorie sur l'affaissement climatique est bon, quand il neige, il fait plus chaud. Cinquième pour l'instant, 2 secondes 5, on a perdu un petit peu de temps, on va voir au temps de passage ici. On a perdu 3 secondes, hein, 3 secondes sur les premiers athlètes, mais au moins on n'a pas consommé trop d'influx. Et on veut le garder justement cet influx pour la suite. Allez, on va arriver sur le pas de tir et on le sait, ne pas commettre d'erreur est la clé aujourd'hui. 30 secondes de pénalité par balle à côté. Ça ne pardonne pas. Et Christiansen justement qui vient de se rater. Et prendra 30 secondes de péna. Orneuil aussi. Tir couché, le plus dur. On s'applique et c'est bon. Allez. Ok. Non mais il faut progresser. Encore une fois, je fais une erreur. Pourtant, j'ai l'impression de prendre mon temps. J'ai l'impression que c'est dedans et je suis pas dedans. Alors, on a fait. Après, avec une erreur, attention, on peut prendre une médaille. Hein. Avec une erreur, on peut prendre une médaille si les autres se chient, bien sûr. Hein, mais on peut prendre une médaille. Et ça y est, la température est plutôt bonne. On va s'y mettre ici. Hop là, position touchousse. Alors regarde, Beu vient de faire une erreur, Stalder vient d'en faire 4. C'est pas fini, Lagrid vient d'en faire une. Donc on n'est pas fini, on a 33 secondes de retard, mais au final 3 secondes 5 sur Horn, ce qui est pas énorme.
Allez, Leitner, une petite erreur, mon petit Leitner. Là, une petite erreur. Voilà, Leitner. Nickel, ça. On prend 30 secondes de péna. C'est bien, comme tout le monde. Aujourd'hui, Lodjinov, on prend sa petite péna. Lodjinov qui blanchit. Lodjinov qui blanchit. Allez, on y va, tranquillette. Ouais, j'ai vraiment pas beaucoup utilisé de puissance. Et on est bien, on est bien, on est bien. Allez, on va se mettre en position touchous. Ouais, Dosvan aussi qui blanchit. Andersen, Christensen et Labasto qui vont se présenter sur le pas de tir. On se met bien à l'intérieur. Tout droit, les skis droits, les skis droits. Au bout, au bout, au bout. Ok, on reprend. Allez, on va arriver avec allez, 35 secondes de retard. Et Christensen qui fait une erreur. Andersen, Labasto qui en fait deux. Horn qui revient et qui va peut-être en faire aussi. Dessieux qu'en fera. Et Horn qui va blanchir. Horn qui va blanchir, pour l'instant, c'est un 10 sur 10. Allez. Non ! Elle est retombée dedans ! Avec 2-0 là, par contre la médaille part au loin, la médaille part loin. J'en aurais que 4 secondes de retard, c'est mal. Et ouais, après il y en a beaucoup qui font des erreurs, hein. Il y en a beaucoup qui font des erreurs, mais c'est vrai que là c'est un petit peu dommageable. Par contre, j'aime bien l'idée de pas trop pousser sur les skis sur les deux premiers tours, ça nous laisse quand même pas mal de puissance sur le reste. Ouais, ouais, j'aime bien l'idée. On n'a pas trop consommé sur les premiers tours, j'aime bien l'idée. Allez, on est bon, on y va. On a encore le sprint, hein, on n'oublie pas, mais c'est vrai qu'on a ce sprint d'ailleurs. Est-ce qu'on n'utiliserait pas le sprint ici pour garder le maximum de... Hop là, le maximum d'endurance. On va tester la technique. On va tester la technique. Allez, on y va. Regarde, Jacqueline fait deux erreurs, Leitner en fait une encore une fois. Lodjinov en fait une, Kuhn en fait une. Ok, 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 pour l'instant ça se trompe un peu partout. Hein. Il n'y a que Philippe Horn qui a réussi à faire un sans faute. Mais c'est pas dit qu'au prochain tour il se rate. Allez, on est deuxième avec 1 minute 6 de retard. Philippe Horn et les Norvégiens qui se prennent. Et Lesser et Dosvan qui vient de faire un 10 sur 10 aussi. Dosvan. Bjørntegaard qui se trompe. Andersen qui va faire un sans faute. Allez, on y va. Alors, il faut à un moment donné pas faire d'erreur là. Il faut à un moment donné pas faire d'erreur. Allez, 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 on se la donne, on se la donne. Ouais, pas mal. Est-ce qu'on finirait pas la saison là aujourd'hui en finale si on est éliminé comme ça? On verra. Ah non, parce qu'il y a l'individuel, je crois aussi. Non! Mais c'est fou! Ah ouais, non, mais c'est incroyable de rater tout ça là! Un tir à chaque fois! Ah ouais, mais comment veux-tu faire des résultats là? Mais même en championnat et en Coupe du Monde, c'est pas bon. Alors Philippe Horn a fait deux fautes, mais regarde, on en a fait trois nous aussi. Une faute à chaque fois, la régularité est maître. Hein. Allez, on y va, on force ici. Ah, et pour le coup, on a quasiment toute la moitié de barre là pour la suite, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Claude qui fait des erreurs, Smolski quand on en fait, Stadler qu'en fait pas. On va reprendre, on va utiliser le sprint ici. On va le cramer pour pas prendre, voilà. Pas pris, 36 secondes 3. Stalder en a pas fait. Douchenko, la grid, ne s'est pas trompé. Jacquelin, Bormolini, ça craque aussi. Et Lodjinov qui blanchit. Kuhn qui se rate. Il y en a pas mal hein, qui se sont ratés. On terminera peut-être pas parmi les derniers, mais c'est sûr qu'on prendra pas une médaille aujourd'hui. On aura pas une médaille. Mais on a pu tester le fait de ne pas trop pousser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de ne pas envoyer sur les bâtons dès le début. Comme on a l'habitude de le faire. Allez, allez, on y est. La vitesse, elle est parfaite. 63 km/h. Ok, alors qu'il y a un canard hein, sur le... Ah non, mais on peut le dire, il y a un canard sur le pont, c'est pas possible. Quoi, 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 quoi. Allez, Christiansen, Labasto. Oh, ça fait des erreurs de tous les côtés. Hein. Allez, on y est. Et Horn qui n'a fait que deux erreurs. Il n'a pas fait d'autres erreurs. GG à lui. GG à Horn. Allez, on y va. On s'applique. On a été bon là sur le tir, mais je pense que j'ai voulu tirer trop rapidement sur les 3 points de tir. Faut vraiment que je me dise 30 secondes de pénalité. Autant prendre son temps, vraiment, et risquer, baisser la perte, tu vois,
J'ai une connerie, mais de 0 à 10, baisser le risque de 8, le baisser à 4. Et me dire voilà, qu'on prend pas ces 30 secondes de pénal. Là, c'est trop, pénalité trop lourde. Beaucoup trop lourde. Et on part ici donc avec 3 erreurs. Ok, on va relancer. On est dans la fin de course, ça y est, on y arrive. Dernier tour. Le dernier tour. On y va, on y va. Non, on finira demain la carrière tranquillette. Tranquille. Oh, mais tranquillette. Il y avait Noël hier, on digère encore là. Il y en a encore peut-être qui sont en repas de famille aujourd'hui. Donc, bah, le 24, 25, 26 maintenant. Voilà, on fait tout. Hein. On fait tout. Hein. D'ailleurs, j'en ai un moi ce midi. Repas de famille, le dernier. Hein, le 26 au midi, c'est le dernier. Hein. Là, tu fais le 24 au soir sur Twitch. Tu fais le 25 midi avec les enfants. Puis tu fais le 26 avec l'autre partie de famille. C'est. Ah, c'est toute une organisation. Hein, là, c'est digne d'un diplomate. Hein. On est parti. Et c'est fini, ça y est, on va en finir avec une arrivée provisoire, avec une médaille, on pourra dire. On aura une médaille autour du cou pendant quelques temps, je ne sais pas encore combien, mais on aura une médaille. Voilà, on va avoir une médaille. On va arriver. Et on va se voir. Nickel, troisième, la médaille. Ça y est, on l'a plus. Hein, il n'y a plus de médaille. Il y aurait pu avoir, mais il n'y a plus. Eh, 17ème. Eh, c'est pas si horrible que ça. Hein. Eh, 22ème. C'est pas si horrible que ça en faisant 3 erreurs. C'est terrible parce que. Ah non. 0 erreur, 1 erreur et 0 erreur. Non, on n'aurait pas pu. Hein. Une erreur, 2 erreurs. On aurait pu faire 4 ou 5, ça aurait été une déception. On valait mieux faire 3 erreurs pour tout ce qui est déception. Et alors, le relais mixte. Oh, putain, on n'est pas pris. On est bien sûr qu'on n'est pas pris. Le relais. Ah, vas-y, mais prends-nous pour le relais au moins. Enfin, ils ont gagné la médaille d'or en plus. Et là, il y a quoi? Ah, on fait la mass start. Oh, incroyable. Pourquoi on fait la mass start cool none? Oh, trop bien. Et cool non les gars. Nucléaire et ça 1. On a une chance de médaille. Nucléaire et ça 1. Je le dis, on a une chance de médaille. Je vais mettre le coq. Nucléaire et ça 1. Ok. Bah écoute, attends, mais on a une chance là parce qu'on part tous en même temps. On part 21ème. C'est parti. 3 tours. Tout le monde part en même temps. Et les tirs de Pena. Let's go. Ah ouais, tu fais des petits tours. Eh, hey, attention hein. Alors sur les skis, on va peut-être galérer un petit peu, mais on va voir. On va se la filer en tout cas, on va se la filer. Et si ça se trouve devant, eh ben t'inquiète pas qu'on sera là. Hein. T'inquiète pas qu'on sera présent. Allez, on monte un petit peu, c'est dur ici, on va utiliser un petit peu de sprint. Je pense que le sprint, c'est pas mal de l'utiliser en fait dès le début pour pas casser ta dynamique de physique. Ouais, hop là, ils prennent large, on y va, nous aussi on prend bien, on va couper à l'intérieur. Oh, la technique interdite là, c'est quoi ça de se mettre en arrière sur les spatules? Allez, Smolski back, on voit du dalleux. Et pour l'instant, il est 18ème, donc on a été meilleur que certains sur les skis. Moins 4 degrés, je crois que c'était entre plus 2 et moins 6, donc on est bon. Allez, la belle descente, il va falloir tirer vite et bien. Ah, il est toujours là le canard, il est resté jusqu'au bout et on y va. Allez, ouais, faut tirer vite et bien. Si on veut une médaille, faut prendre tous les risques. Hein. Ah, forcément, on le met au bout, ouais, numéro 21, on le met au pas de tir 21. Et ça fait pas d'erreur et on va gagner quelques places parce que je te garantis qu'on a tiré assez vite. Et que en plus, il y a eu des erreurs, on va passer à l'intérieur, je te le dis. On va sortir pas mal. Et on sort 8ème. Alors il y en a un, il est devant Smolski, bon on n'en parle pas, lui c'est. Il pisse vert fluo toute l'année. Donc lui, voilà, on va pas non plus se comparer à cet homme-là. Mais. On est bien, on va passer la petite bosse. Position touchousse. Moins 5 degrés. Allez, on reprend ici. Ouais, pas mal. Ah, il pousse un fort, hein. Il faut qu'on claque le sprint ici pour pas casser la dynamique. Allez. Ah ouais, ça remonte, hein. C'est très groupé.
C'est très très groupé cette histoire. Et pourtant on met hein, sur les bâtons. On pousse. Allez à l'intérieur, à l'extérieur, tout là, on y va. Ouais, c'est pas mal, on a consommé. Pour le coup, on a consommé, hein. Mais on est bien, on a perdu des places ou pas? Et on est 9ème, hein, les gars, on est 9ème, on est bien. Faut que ça se plie devant. Faut que ça se plie au tir devant. Et qu'on tire vite. Et qu'on tire bien. Ouais, ok, on y est. Hey, 21ème de la Mastart au départ, on est 9ème en arrivant sur le pas de tir. On touch, je te souhaite juste de rater toutes tes balles. Kuhn c'est pareil, Bakken la même, la grid d'Aleux c'est la même chose, hein, bien sûr. Ah mais Smolski mec c'est un tireur de l'ouest hein. Ok. On a été très rapide et très bon. Il faut y aller. Pousse-moi, laissez-moi la place. Ah non. Il n'y en a pas assez qui sont ramassés. On est 4ème. Assez dur. Aïe. En vrai de vrai, 2 tours de plus. La Mastart à 4 tirs. On était bon, on était champion du monde. Aïe, la médaille. Ouais, non, mais il y a des gens qui vont nous rattraper derrière. Non, quoi qu'il, il y a des gens qui vont nous rattraper. Tout va bien. On va se faire doubler sans regret. Sans regret, vraiment. Non mais vas-y, arrêtez. C'est quoi ça? Et je vois la piqûre, je vois la trace encore dans le short là. C'est quoi ces conneries? Et je te dis, c'est pas une balle que t'as dans le fiac, c'est une piqûre. Donc me la fais pas, ça va beaucoup trop vite là devant. Eh, 5ème. C'est ça qu'on devrait participer au Mastart. On n'est pas dégueulasse hein. Et pourtant on est loin du niveau. Et pas d'erreur, ils en ont tous fait je crois. Ah non, mais pas tout le monde. Allez, on y va, on va pousser ici. On va se mettre en position. Et on peut peut-être terminer parmi les 7 premiers. Ce qui est déjà beau. Quand on voit les têtes des athlètes qui sont devant nous. On peut être heureux. Et on va y aller. Hop là. Ça y est, on y va, on fonce. Et on va terminer 7ème ou 8ème. Ouais, peut-être 8ème. Peut-être 8ème. Il va où? 6ème. Eh, 6ème. Ah, elle était pas loin. La 3ème place était loin. On a perdu combien? 19 secondes en ski time. Shooting time, par contre, on a été vite. Hein. 6 secondes. Hein. On a été pas mal. Dommage. Ah, dommage. Ah, on perd du temps en fait. On perd du temps à chaque fois. Après les tirs, on revient. Mais. Ah, dommage. Le ski time, 19 secondes. T'enlèves 19 secondes. On est largement premier. Faut qu'on progresse sur les skis, les gars. Et on est bon, on verra ça demain. Puisqu'on ira rue Polding pour finir la saison. Je vous embrasse fort et je vous souhaite encore eh bien, une bonne journée. Dans l'esprit de Noël, bien sûr. On se retrouve demain pour terminer la 4ème saison. Des bisous. À demain, 11h.